L'Ochok l'Israël ce matin, la Gemara Choulin 26b. Echi tokea, Amar Rav Yehuda, tokea umeria mitoch tkia. Rav Asi amar, tokea umeria binshima achat. Di Rashi, erev yom tov shebe'erev Shabbat. Yom tov shebe'erev Shabbat. Il dit Rashi, à l'époque du Talmud, avant que Shabbat rentrait, on sonnait le shofar. Il y avait un chazan, Beta Knesset, il montait sur le toit, il sonnait le shofar. Il sonnait le shofar comme 2 heures avant Shabbat. Et là, les gens savaient qu'il faut fermer le magasin. Et après, il sonnait le shofar pour que les gens se préparent pour le Shabbat, pour allumer les bougies du Shabbat. D'ailleurs, aujourd'hui, en Israël, ils ont des sirènes. Ils ont des sirènes. Et tu sais, il y a 2 sirènes. Une sirène en Israël, le Rav Takuchinsky. Rav Takuchinsky dit que le Shabbat doit rentrer 40 minutes avant la rentrée du Shabbat, avant le coucher de soleil. C'est la première sirène. Deuxième sirène, comme 18 minutes avant le Shabbat, il y a une deuxième sirène, c'est le Shabbat qu'on connaît tous. Rav Adel Yosef dit, pour nous le Sepharad, c'est 20 minutes, ce n'est pas le 40 minutes. Tu peux accepter le Shabbat avant. Ça ne dérange pas. Tu peux accepter le Shabbat bien avant. Mais il y a aussi une limite. Quand on peut accepter le Shabbat, on ne peut pas accepter le Shabbat quand on veut. Le Shabbat, le plus tôt qu'on peut l'accepter, c'est Plaga Mincha. Plaga Mincha, c'est 1h15 avant la sortie des étoiles. 1h15 avant la sortie des étoiles, c'est le minimum qu'on peut accepter le Shabbat. Plus que ça, non. Pourquoi ? La Gemara dit, la bougie en journée, à quoi elle sert ? Okay ? Shraga betiara le mai mahania. Si tu allumes une bougie en pleine journée, ça va donner quelque chose, ça va donner rien du tout. Tu allumes la bougie vers le soir. Alors tu peux pas accepter le Shabbat trop tôt. On va dire que le Shabbat il rentre, par exemple, tu es en France et le Shabbat il rentre à 11h. Tu dis non. Moi je vais manger avec ma famille à 8h du soir, les enfants sont réveillés. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Si le Shabbat il rentrera à 11h, 1h15 avant le coucher, la sortie des étoiles, pas plus que ça. Okay? Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter le Shabbat quand on veut. Alors, 40 minutes, c'est encore acceptable. 20 minutes aussi. Okay? Alors, il dit ici, il sonnait le shofar. Mais qu'est-ce qu'on fait si Erev Shabbat, c'est une fête aussi? Et on veut distinguer entre le Shabbat normal et la fête. Le Shabbat et la fête. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit ici, la tkia, elle est différente. La manière qu'ils sonnent le shofar, c'est différent. Normalement, c'est tkia. Tout, ça veut dire un son qui est simple. Un son qui est simple. Ken? Tkia. Maintenant, il te dit ici, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, Shechal Berev Shabbat, Tokea, dira Rav Yehuda, Tokea, Umeria Mitoch Atkia. Il fait tout. Dans la tkia, il pose pas. Il est Tokea Mitoch Atkia. Ken? Alors, dit Rashi, Kodem Sheisem Atkia, Umeria Besofa. Ça, c'est l'opinion de Rav Yehuda. Rav Asi Amar, Tokea Umeria Binshima Achat. Rav Asi dit, non, il fait la Tkia et la Troua, un seul souffle. Ken? Alors, il dit ici, Binshima Achat, Umikol Makom Mafsikou Benataim, mais il fait une petite pause moins que le temps de prendre un souffle au complet. Alors, on va dire, ici, on veut savoir que Erev Shabbat, qui rentre dans le Shabbat, et on veut distinguer entre le Shabbat et le Chol, et la Tkia, il faut la faire différemment. Voilà la manière de faire cette Tkia. Pour dire que c'est une grande mitzvah d'annoncer le Shabbat. C'est mitzvah la guide l'anashi matay Shabbat. Okay? Pour que les gens ferment le magasin, pour que les gens viennent. C'est ça? Pour que les gens viennent à temps pour le Shabbat. Alors ça, c'était la Tkia, et dans nos temps, c'est la sirène. Ken, la sirène. C'est une des plus grandes mitzvot. Ken, c'est quelqu'un qu'ils avaient à Jérusalem, des rabbanim. C'est pas de n'importe, des rabbanim qui allaient dans des magasins pour leur dire fermer. Même au Maroc, il y avait des rabbanim, ils rentraient dans des magasins et disaient, Allah, Shabbat, il faut que tu fermes le Shabbat. Il y a quelques années, il y a des grands rabbanim à Bnei Brak qui se sont ramassés et ils se sont mis à l'intersection Bnei Brak-Ramat Gan. Quand tu sors de Bnei Brak, tu rentres de Ramat Gan. Alors, c'est comme l'autoroute. Tu viens, tu rentres, et les rabbanim sont mis là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de gens qui rentraient le Shabbat. Ils rentraient 5 minutes avant le Shabbat. Et ils venaient de loin. Ils venaient de Jérusalem. Ils venaient de... Alors, des grands rabbanim sont mis là-bas. Et ils ont dit à tout le monde, alors, comment ça se fait que tu rentres 2 minutes
avant Shabbat ou 5 minutes avant Shabbat, c'est pas possible. S'il y a la moindre de trafic, tu vas être bloqué au trafic, Chas v'Shalom. Alors il leur a dit, des grands rabbins, il me dit, minimum, tu vas là où tu passes le Shabbat, tu arrives là-bas minimum 2 heures avant. Tu n'arrives jamais 5 minutes avant Shabbat. Dis non, c'est ici, c'est... Non, s'il y a un trafic, s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose comme ça, tu vas être bloqué, surtout en hiver. Tu ne prends pas le risque. Tu vas là où tu passes le Shabbat 2 heures avant. Que tu as le temps de préparer, de benahat. Ken? Alors il dit ici que c'est important d'accepter le Shabbat à temps. Et on annonce aussi la rentrée du Shabbat. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.